à toutes et bonjour à toutes, c'est Loulou300, c'est pour une vidéo unboxing d'un jeu que je viens juste d'acheter à Micromania au passage et je vais vous le découvrir ensemble. C'est David et 12, non je plaisante, c'est l'édition collector du jeu Cash 13, David Abbey 13, et oui il est là, il est sous vos yeux, l'édition collector Stone Cold Steve Austin. Alors vous voyez c'est un crâne, interdit au moins de 16 ans, c'est un crâne. Derrière, il y a le truc Stone Cold, avec comme quoi la tenue Stone Cold, les tenues Stone Cold, en disant comme quoi ce qu'il y a dedans, les contenus DVD, je vous montrerai. Et donc Mike Tyson sera encore. Donc je vais l'ouvrir avec vous et je vais vous le montrer tout de suite. Attendez, je prends mon ciseau et on va l'ouvrir ensemble. Hop, je vais tenter de l'ouvrir un peu à l'arrache. Alors, je l'ouvre, hein, regardez, je suis en train de déballer. Voilà, donc c'est du carton avec là, c'est un peu cool. Donc quand on ouvre, et oui, quand vous voyez, il n'y a pas le truc de CM Punk, où vous voyez quand il fait sa croix, et non, c'est le truc Stone Cold Steve Austin, avec Vive la Révolution, avec Stone Cold, toutes les actions, blablabla. Comme quoi, David Davy live, retrouver l'intensité des gars, le prédateur technologie 2.0, puis faire la révolution, le mode attitude des rats, patati patata, on va l'ouvrir. Je fais un peu une vidéo assez courte, car je vais faire une vidéo découverte juste après. Alors, voilà, donc il n'y a pas ça hein, en écran du début, c'est ça Stone Cold, donc. Le catalogue. Alors, contenu online access, voilà. Saisissez le code qui est au-dessus que je ne vais pas vous montrer, que je vais vous montrer quand même. Alors l'écran, hein, les touches, alors à prise, donc ça n'a pas trop changé. Donc ça n'a pas vraiment changé du 12. Voilà quoi, assez bref comme THQ. Alors, le code pour avoir Mike Tyson. Donc voilà, hein. Le premier code qui est pour Mike Tyson et le deuxième qui est sûrement pour l'autre, mais je vais faire les deux, vous en faites pas. Alors ça, la carte collector de Stone Cold Steve signée par Stone Cold lui-même. Et oui, c'est gratuit. Regarde cette vidéo pour les fans de Stone Cold. Alors, le CD du jeu. Et le DVD Stone Cold Steve Austin que je regarderai ce soir. Donc, la vidéo découverte, la vidéo unboxing, on va mettre le jeu là, le truc là, le code ici, la carte collector là, la boîte là, et donc, voilà, vous voyez tout ce qu'il y a dans le collector de Stone Cold. Voilà, donc ça, c'est la boîte du jeu, ça, c'est la carte collector, ça, c'est les codes. Ça c'est pour, c'est le manuel et ça c'est là le truc en bois, en carton. Donc on se retrouve tout à l'heure, je vais faire une petite page de pub comme d'hab, je vais vous faire un petit écran noir et on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo découverte. Donc j'installe le jeu, je rentre les codes et on se retrouve à plus, bye bye. A tout à l'heure. Et recoucou les amis, on se retrouve après bien sûr la vidéo découverte. Donc là, ça a dû passer environ 2 secondes pour vous, mais moi ça m'a passé environ une demi-heure. Donc, et oui, je lance le jeu. Je lance Dabi Dabi 14. Alors j'ai rentré tous les codes pour avoir un access, tout ça. J'ai rentré les codes pour payer mon fin accès. Je crois que j'ai pas encore acheté sur ça. Alors j'ai pas essayé de télécharger aujourd'hui. La vidéo DLC, c'est-à-dire. Une vraie vidéo où on verra tous les superstars du DLC 1, du DLC 2, du DLC 3. Et si j'ai pas le temps de faire la Crit Match, King of the Ring, tout ça, tout le monde match, je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc là, le signe de THQ, je vais tout vous laisser parce que c'est. Là, je tremble tellement que c'est jouissant. Faut toujours me dire. Attends. D'après les informations que j'ai reçues, là, j'ai regardé une vidéo découverte d'un mec qui était obligé de faire la vidéo, il avait pas envie de faire cette vidéo. Mais il l'a fait quand même. Donc là, c'est la musique de Christian. Normalement, j'ai déjà fait quelqu'un qui regarde, donc c'est normal. C'est la musique de David Abbey Fortune. Start.
Et donc sauvegarde. Ok, ok, ok. Oh putain de merde, c'est beau hein. C'est beau, je vais voir si les flous disparaissent dans le train, parce que ça sera plus de merde. Ouah ta mère, j'avais déjà vu ça. Donc alors, et le mode exhibition. Donc, ah oui, d'abord, donc c'est un jeu édité par THQ, développé par Youth Media Creator. Futurieux, donc c'est donc avec Cartel 9, Avoé, Galilee, voilà tout. De la violence, on peut jouer en ligne, c'est un jeu interdit au moins de 16 ans. On peut jouer à 4 en local et jusqu'à 6 en line. Donc c'est sur Xbox, là je vous montre sur Xbox, donc je vous montrerai la découverte tout à l'heure. Alors le mode exhibition, donc vous voyez, donc là, mode attitude à voir. Donc exhibition, donc on a le 1 contre 1, normal, extrême, le sel, inferno, Iron Man, les normal, Fast Mastering, Steel Cage, Soumission, Table, TLC, I quit. Le 2 contre 2 tag team tornado et le show tag, donc en tag team tornado, il y a le normal, il y a l'extrême, le LC, le LED. Le Steel Cage, le Table et le TLC, Elimination Tag, soit en normal, soit en tournoi, soit en Table, Tornado, et le Tag Team Mix. Alors en tripoté, il y a le normal, Extreme Moves, End the Cell, Leader, Steel Cage, Table, Chelsea. Ok, il y a une musique qui passe, hein. Ils ont remis une musique, c'est bien ça. Alors, Fatal 4-Way. Donc il y a en normal, en Battle Royale, c'est passé par le Surfing Board, en Extreme Moves, en End the Cell, en Leader, en Steel Cage, en Table, en Chelsea. Je vous apprends rien. Le Seaman en tag normal, c'est-à-dire 3 contre 3 en tag. Première qui fait tomber gagne la partie. Armageddon Cell, c'est dans une grande cage, donc la LGSL à 6. Battle Royale, Nation Chamber, en normal ou en tag, en équipe. Le Nation Tag et le Ladder Match. Alors en handicap, il y a le 1 contre 1, le 1 contre 2, le 1 contre 3, soit en tag, soit en tournoi. Il y a le 2 contre 3 et il y a le Gauthier Match. Voilà. En spécialité, il y a le match pour le titre. Ça, je sais pas ce que c'est, peut-être c'est nouveau. Le arbitre spécial, soit en 1 contre 1, en 2 contre 2, en triple play, en fatal 4, ouais, c'est bien. Le Championship Scramble. Si on fait tous 5 superstars qui arrivent un après l'autre pour avoir le premier qui fait tomber, ou le dernier qui fait tomber, là, dans le match. Le backstage, donc le 1 contre 1, 2 contre 2, 1 contre 2, 1 contre 3. Ah, ça c'est nouveau, c'est le backstage en 3 et en 4, c'est-à-dire tout, chacun pour sa peau en 3. Le Royal Rumble en 10 man, 10, 20, 30 et 40 man. Et le match personnalisé, voilà. Vous apprendrez. Le King of the Ring qui fait son comeback. Le mode Attitude Era. Donc là, je vous présente les modes. Mode, je vais pas le montrer car, j'ai pas, de une, je n'ai pas envie de vous spoiler. Et de deux, je fais un let's play sur ce mode. Je vais faire un let's play sur ce mode. Donc le mode univers. La vraie vidéo que j'ai vue, c'est un mode de malade mentaux. Alors, avec vous, donc là, il y avait les matchs. Vous en faites pas. La suite de mon Daviverse va continuer sur ce jeu. Alors là, vous voyez tous les matchs qu'il y a. Avec. Ah ouais, ça c'est quand même bien. Ah ouais, il te fait direct une réalité là. J'écoute le jeu. Ah, allez, Lissar Bella qui s'affronte. Alors, le calendrier. Donc là, c'est une image. Donc vous pouvez simuler, vous pouvez modifier, donc changer les compétiteurs ou les règles, hein, comme dans l'ancien. Le calendrier par contre, vous pouviez par exemple choisir soit Raw, soit SmackDown, et vous pouvez changer les pay-per-view. Ça c'est normal, vous commencez l'année dernière au Royal Rumble. Et là, changement de truc, on commence après WrestleMania. Donc là vous avez les 10 euros, vous pouvez soit supprimer le show, c'est ce qu'on va faire. Boum. Ouais, j'aime pas Superstar, on supprime Superstar. Vous voyez, par exemple, j'aime pas SmackDown. Boum! Voilà. J'aime pas. Ah oui, mais je suis obligé de garder un show majeur. Donc vous voyez, vous pouvez supprimer. Par exemple, si vous voulez avoir que l'euro pendant le mois, ou si vous voulez avoir des euros, vous pouvez. Moi par exemple, le samedi, je vais ajouter un. Voilà. Un majeur, un mineur. Un majeur. Allez, un majeur. On va l'appeler SmackDown. Parce que moi, SmackDown, j'aime pas le vendredi. Moi, je préfère le samedi. Et vous savez pourquoi? Ouais. Parce qu'après au moins les personnes sont un peu plus fatiguées, ouais, c'est plus réaliste. SmackDown. Alors, le roster de SmackDown. Voilà. Non, le roster. SmackDown. Oh. Alors, là, le logo. Euh.
l'ancien SmackDown. Ouais, ok, ça marche. L'arène. Aïe. Y'a pas d'arène de légende, dommage. Donc, le SmackDown, je vais laisser l'arène normale. Mais dès que j'ai débloqué la SmackDown ancien, je mets l'arène ancien aussi. Alors, le draft, oui. Les titres, alors. Je vous ai pas beaucoup de titres dès le début, donc voilà quoi, vous voyez, vous avez pas beaucoup de titres. Donc je changerai, vous en faites pas, je changerai, hein, comme je viens de dire. Alors là, comme c'est le SmackDown, on va mettre le World of War Champion, on va mettre l'Intercontinental, on va mettre le Tag Team, oui. Ouais, je mettrai le Tag Team et le Diva, oui. Je vais débloquer les titres au fur et à mesure, hein. Voilà, on accepte. Pour l'instant, c'est ça. Au juste SmackDown, pour l'instant, c'est le samedi. Le jeudi, il va y avoir un show. Non, mineur. Logo. On va mettre quoi? On va mettre quoi le samedi. Je peux pas en mettre encore des arènes anciennes parce que j'ai pas fait le truc. Je pourrais mettre. David Life Tour. Allez, le David Life Tour. Ah, si vous savez comment je suis content de jouer à ce jeu. Je peux pas mettre dit. L'arène. Ah, c'est ça pour le dernier show, c'est. Peut-être je ferai David Man Event, peut-être. Je sais pas comment par contre. C'est quoi le mercredi majeur? Ça c'est pour les personnes old school. Parce que moi il me faut déjà 3 shows. Hein. Alors, hop. Non. Il est où? Roy's War. Yes. Le roster, peut-être? Roy's War. Bam. Le titre. Désolé pour l'instant, je vais mettre aucun titre. Je suis vraiment navré, hein. Voilà, donc, aucun titre majeur. Ah, ok. Majeur, allez, le Internet Championship. Voilà, par exemple, j'ai envie de faire un Royce War avec un titre. Ah, d'accord, donc comme il y a très peu de superstars dans ce roster, alors classement. Donc majeur, mineur, tag team, diva, Ah, ouais, ok, en fonction que tu crées les shows, il te donne le classement. Donc, Sheamus, il a Royce War, il a SmackDown, bien sûr. Ouais, voilà, news, modifié univers, oh là là, oui, il y a beaucoup de trucs, oh j'aime bien, modifié superstar, roster, équipe, allez, comme nous, Primo Epico, Ziggler et Swagger, Kofi et Truth, Team Cobra, ah, ils ont mis la Team Cobra, ah, mais vraiment, ils sont super sympas, vraiment, Santino, Cobra, Bellatrix, et là, c'est des trucs verrouillés, donc c'est en fonction du mode attitude, là, attendez. Je risque pas là, il y aura Degeneration X, parce que Shawn Michael. Alors, modifier le titre. Okay, donc il y a beaucoup de titres bloqués. Il y a énormément de titres bloqués. Options scénarisées, c'est comme ça. Activer ou désactiver les options de cet écran pour utiliser ou non le déroulement des scénarios du mode univers. Vous pouvez désactiver tous les scénarios ou choisir individuellement chacun d'entre eux pour par exemple ne garder que les scénarios avec les dénouements positifs. Activer les scénarios pour les shows sans pay-per-view pour former. Non, je veux pas qu'ils forment dissoudre. Pour changer l'humeur de la foule. Voilà, allez. Rinacisé, la foule de va changer les superstars. Là, ça risque d'être un peu long, désolé. Hein. Alberto Del Rio. On va laisser ça SmackDown, et si
Grandmaster Sexual, c'est qui chante. Je peux pas quand j'ai pas toutes les superstars, c'est ce que. J'ai débloqué, j'ai débloqué mes têtes, oui. Marc. Bon ben l'univers, je vous ai un peu montré tout ce qu'il y a. Statistique, je peux. Ah ok, donc d'addition de cité en tant que. En fait il. Ah ok, donc il montre un peu la majorité en fonction, ouais. Par exemple lundi soir il y a Ro, le jeu de mercredi soir Airways World, c'est très sympa. Voilà, et en fait j'ai remis la jeudi en lundi. Attends. Est-ce que ça a changé les matchs? C'est vrai que quand j'ai fait ça, ça a changé des matchs. Par exemple, c'est plus un contre un, c'est un tag team maintenant. Ok, bon. Et il y a quand même plus de matchs, il y en a 5. Donc on va quitter le mode univers. Création, Xbox Live, Xbox Live, c'est combat en ligne. Ma WWE, c'est modifié au sort. C'est quoi ça? Ouais, c'est un peu modifié Superstar. Statistique. Top 10 des Superstars les plus victorieux. Ah, ok. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien. Gestion des titres. Alors. Ok, donc là, on peut mettre les champions qu'on veut. Par exemple, si on veut mettre John Cena en champion de WWE, ok. Verrouiller. Titre officiel. Titre créé. Oh, on va créer un titre, les enfants. On va créer un titre. Alors. Donc, je regarde que le fou. Voilà, c'est... Alors, la base. Oui, bon, vous commencez à découvrir. C'est un peu normal, désolé qu'il n'y ait rien. Celle-là, tu vois. Non. J'ai envie de me mettre sur une base de... Ouais, allez, sur cette base, allez. Plaque. Pas plus beau, quand même. Non. Pas que je fasse un truc trop laid, aussi. Wow, rouge. Et ouais, allez. Ah ouais, pas mal ça. Continuer. Non officiel. Dabi, donc. Gros. Roy is tag team. Alors l'abréviation. Provisoire. Non duo. Intercontinental, on va chercher tactile championship, c'est où? Extreme. Intercontinental Tag Team Extreme. Alors, c'est pour les superstars en tag, Cruiserweight. Pour les jeunes, non. Team. Et donc c'est le
Intermarché. Finalisé. Boum. Et après, il faudra par exemple que je donne à des champions, à des équipes. Oh. Orfèvrerie, c'est quoi ça? Déjà, créer une ceinture, déjà, allez. Y'a personne qui l'ont, donc... Ouais, donc ça, on l'a vu. Option. Ah, option. Comment jouer, match perso. Match général. Difficile, dégâts des comptes, oui. Adrénaline, oui. Blessure ouverte, oui. Détecteur de points, ah oui. Avec plaisir. Équilibrage. Ouais, bon, on va laisser normal. Voilà, là, je peux jouer maintenant. Général, PV. Jauge, arbitre spécial. La jauge, là par contre, la jauge. Interface, en général, jauge désactivée, tant mieux. En jauge en brawl, oui. En jauge arbitre spécial. Non. Voilà. Donc les chargements, c'est plus un rechargement, c'est en bas, c'est top class. J'espère que vous n'ennuyez pas trop en attendant que je fasse mes petits trucs. Donc le mode boutique, je vais vous montrer très vite, très rapidement. Alors, oui. Ah oui, voilà, ça y est, ça a marché. C'est que j'ai entré le fan access, il faut remettre le jeu. Et là, en fait, vous pouvez télécharger l'accélérateur DDP qui est en fait Diamond Dallas Page. Gold, ça c'est pour les membres de Fan Access, Grand Gen, Rikishi, tout ça est gratuit, tant mieux. Ça en fait, j'ai payé 80 points comme un con. En fait, le Fan Access c'est pour jouer un multijoueur, sinon on peut pas jouer. Et le Fan Access c'est pour. En fait, tout avoir tous les DLC gratos. Et donc. Voilà, en fait, il met tout gratos. Donc voilà, je vous ai montré très rapidement. Et donc là, les amis, on va partir en mode création. On va créer. Un finisher, allez, il n'y a pas les prises de soumission, tant pis, on va faire une presse avant pour voir si ça a changé. Et oui, et après on partira peut-être pour un match. Enfin, peut-être, mais on va partir pour un match. Ah, j'ai pas lancé mon PC chrono, donc je sais pas combien tourner. Mais en fait, j'ai cette une de dossier découvert. Ils ont ajouté Cinepunch, ok, normal. Non, pas en arrière, non. Une prise. Ah, enfin des prises. Pilever Crush, ok. Prise. Non, old school, non. Là, tu fais ça. Pedigree. Voilà, c'est pareil. Package, voilà, on fait en pack. Hop. Non, ça fait pas trop. En fait, ils ont remplacé le finisher par mouvement spécial, voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout bonnement simple, voilà, ils ont changé mouvement spécial par finisher. Boum. Terminé. Donc, créer un nom original, donc on va mettre. Donc, tombe. Tone, Didi, Chi. Bam, voilà. Donc je vous ai montré créer un finisher, jouer la troisième corde, c'est un peu pareil que dans le 12 et dans les autres jeux de catch. Donc superstar, je vais vous montrer. Entrée, je vais pas vous montrer. Si je pourrais vous montrer, on va pas vous montrer, je suis gentil. Je suis un petit gentil. Hein. Équipe par exemple, on va changer une musique d'équipe. Par exemple, Kofi Artus. Est-ce fou? The Truth, bon, par exemple. Hein. Je ferai plus de vidéos à Quick Match ou ça. Tu peux voir.
Les gens du tag 2, ok, complètement con. Alors, Jerry, donc Beatrix, Brother d'attention, Primo Pico, Legacy. Ah putain, excusez-moi, il y a du bruit, hein. Excusez-moi. Hein. C'est pas là d'en haut, je suis vraiment désolé, hein, qu'il y ait ce bruit-là. Je suis vraiment désolé, hein. Ah putain, il va me casser les couilles en plus. Donc on va... Get Nieno. C'est quoi, je vais laisser vidéo. Y'a pas par là à retrouver ses profils. Bon, la vidéo, on va laisser ça. Musique par contre. Bien sûr, à tout le temps les trucs. Lui aussi. Oui, alors, donc, on va passer ça, hein, on va peut-être partir pour un match. Si un punk. C'est un punk. Pardon, je deviens un peu fou de temps en temps. Alors, création, il y a quoi? Donc scénario, arène. Ah oui, les arènes, hein. Qui n'a jamais fait sa propre arène, hein. Alors, type de scène. Ah, c'est bien au moins déjà les scènes qui sont déjà tout prêtes. Donc, il y a son ancien. Moi perso, j'adorais SummerSlam. Ouais, j'adore celle-là. Ça serait une arène un peu à la WrestleMania. Et donc ça sera des old school attitude là. Après je vous ferai peut-être un match, ouais. Pas peut-être, je vous ferai sûr un match parce que ce jeu tout le monde l'attend. Moi je suis super heureux de l'avoir un peu en retard. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il est sorti le 30 octobre 2012 aux États-Unis, le 2 novembre en France, mais il est arrivé le 31 octobre ici. Alors, on peut changer l'option de la scène, c'est comme ça. Alors, vidéo d'entrée. Oui. Logo sur SummerSlam. Ouais, quand même. Écran. Ouais, peut-être l'écran parce qu'il y aura l'écran des superstars, donc oui. Panneau latéral. Non. Structure métallique. Projecteur. Mettre des projecteurs comme ça. Voilà. Comme ça. Ok. Option de la scène. Logo sur SummerSlam. Alors, la couleur. Couleur, il est. Ah, on peut carrément changer toutes les couleurs. Ah, c'est pas mal, c'est pas bête là. En rouge, mais là rouge. Couleur 3. Elle est en blanc. Elle a 4. Bon, j'ai installé sur le disque dur. Hein, bon. Peut-être des logos, des motifs peut-être. Beaucoup de nouveaux logos. Ah ouais, en feu, putain, elle est classe. Elle claque là. Là, ça claque. Tu vois, ça. Alors.
Ah, ça claque ça, ça claque comme arène. Ça claque, hein. Panneaux latéraux, groupe 1, motif. Et 25 minutes. Ça, il faut dire avant que ça claque ce truc. Hein. L'arène de votre rêve, hein, en fait. Bien ça, mais non. Allons, ah faire tout. Scène, alors la scène. Motif. Moi j'aime bien les motifs. Non. C'est un peu... Ah ouais, en fait, c'est une musique sans chèque. C'est un peu pour les gens qui veulent pas se faire chier avec des couleurs. C'est des crânes, ça? Ah putain, la musique, c'est la montée là. Désolé, non. C'est quoi? On va laisser comme ça, peut-être. Ah ouais, elle est classe, quand même. La bâche! Ouais, t'es bien parti pour ma bâche, donc on va laisser comme ça. Attends, il faut que mon arène clash, hein. La rampe de la mort. Quand je dis la mort, c'est la mort. Non, pas trop. Oh, je passe énormément de temps sur le truc de l'arène et il faut. Hein. J'ai soif. C'est quoi, on va laisser les crânes, hein. C'est vrai, les crânes. La lumière. Toute la lumière. On va faire des écrans noirs. Maintenant, bon, on va passer au ring, donc il n'y a aucun truc à savoir. Motif, on peut faire encore les... Vous m'entendez, j'appuie quand même comme un con sur la manette. Bon, en même temps, je vous montre un peu les bannières, quoi. Ce qu'il y a comme truc. Il y a quand même des trucs de merde, hein. Logo d'habitude. Oh, il y a le logo d'habitude sur le... Faire chier moi. Attends, le viseur c'est pour... Ouais, c'est des trucs pourris. Motif. Couleur 1. C'est ça claque ça, hein.
Par contre, on va pas mettre la même couleur. Si on met la même couleur, quand même, c'est mieux quand même la même couleur. Ouais. Le tapis, par contre. Là, c'est mon arène d'Aldébit 13. C'est moi qui choisis, hein. C'est pas vous. Vous ne pouvez pas qu'à me dire. Peut-être que je ferai une arène pour mes matchs que je ferai. Peut-être dans celle-là, hein. Alors, on l'a grandi. Peut-être un peu au maximum. Ah, je grandis comme ça. Voilà. Ça a la classe comme ça. Voilà, David 13, les gens, les cordes, groupe 1, première corde, non, attendez. Tous les groupes, première corde, en noir, la deuxième corde, pour être symbolique, à ce qu'il fasse, rose, la troisième corde, en rouge, voilà, et poteaux, on aura des poteaux. Vas-y, tu peux faire également des boutiques, toi, sur tes photos. Avec des chiffres. Voilà. Ouais, je suis un peu à l'arrache, là. J'avoue, parce que j'ai pas que ça à faire. Poteaux, des poteaux, protection de coin. Tous. Ouais. Motif. Moi je me fais choix. Ouais, là, moi je me dis j'ai un problème dans le logo de merde là, donc le logo de WWE. Attends, on va laisser chier en prendre WWE 13. Voilà. Comment c'est pas chier, voilà. Le tapis au sol. Je me demande si on peut mettre. Non, on peut pas mettre le logo noir. Tout noir. Comme la merde. Ah, le sol normal. La barrière métallique peut-être. Ouais, métallique, hein, les barrières. La table des commentateurs, la partie haute. Avec le logo. Je peux faire toute la tête, je fais. David 13. La bannière du match. Ah, il y a quand même. Ah, il y a des. Oh. Ah, oui, ça, c'est des bannières du Royce War, tout ça. Donc, il y a les bannières normales. Ouais, donc il y a des bannières de nouvelle génération. Moi perso, j'ai bien sûr. Capture d'écran, donc on va capturer ça quand même, c'est la classe. Terminé, alors on va mettre Dead. Alors, Davi 13 Arena. Voilà, le mot dead, moi il me faut toujours le mot dead dans ma phrase, sinon je me sens pas bien. On va pouvoir faire peut-être notre premier match, enfin peut-être on va faire notre premier match.
Architecte SRN. Crée la reine dans la création de la ville de la reine. Ok, exhibition, et on va partir tout de suite en 1 contre 1. Et on va pas partir en un quick match, je ferai une vidéo spéciale en un quick match. Et non, vous savez quoi, on va en spécialité, on va se mettre en arbitre spécial, en 1 contre 1, en match normal, arbitre spécial. Je serai l'arbitre spécial, évidemment. Et l'arbitre spécial de ce match sera... Il sera... Alors, je vous montre le roster. Alors, il y a Alberto Del Rio, Big Show, donc un superstar bloqué, normal. Hein. Big Show, Brock Lesnar, Brodus Clay, Chris Jericho, Christian, CM Punk, Cody Rhodes, Daniel Bryan, David Otunga, Dolph Ziggler, Epico, The Great Khali, et oui, qui sont en tour, East Slater, Unico, Jack Swagger, Tinder Mahal, John Cena, donc John F10 qui est bloqué, Zack Ryder, Wade Barrett, Undertaker, Triple H, Ted DiBiase, Sin Cara, Sheamus, Santino Marella, Artruth, The Rock, Rey Mysterio, Randy Orton, Pulimo, The Miz, Mark Henry, Kofi Kingston, Kane, Justin Gabriel, et en légende, Attitude, Mankind, The Rock, Shawn Michaels, et Stone Cold Steve Austin. Et en superstar téléchargé, le gland, moi je prends Mike Tyson. Et donc les superstars qui vont s'affronter tout de suite sur le ring sont The Kane. Alors, finisher, il n'y a aucun finisher. Donc il a d'autres tenues, évidemment. Et donc Kane qui affrontera Kane. Contre. Le WWE Champion. T-shirt. Ah oui, parce qu'il est en fait le t-shirt jaune, il est pas encore sorti, voilà. T'auras pas de finisher, mon pote. Hein. Mon pote, t'auras pas de finisher. Hein. Alors, l'arène. Donc, il n'y a aucune arène, bien sûr, débloquée. On va être à. Night. Non. Ah, WrestleMania 28. Ah putain. Alors, normal, rapide. Ah oui, ça j'ai vu. En normal, c'est en fait un match normal. Rapide, en fait, voilà quoi. Il se fatigue plus. Épique, c'est-à-dire, c'est de la technique, voilà. C'est que de la technique. Nous, on va faire un match normal. Les entrées sont activées. Les interférences, si on n'a pas. Les entrées et les replays, oui. Les deux, patati. Compte de 10, Falco Tanimoire, disqualification. Il n'y aura pas de disqualification. Parce que je suis l'arbitre. J'avais envie de vous montrer ce match-là. Voilà. J'avais simplement envie de vous montrer ce match. Est-ce qu'ils ont fait le boulot pour le Special Guest Referee? Ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot comme l'avait dit. Oh putain, ça sonne direct. Oh là là.
Alors, comme j'ai dit, je les ai centrés, heureusement. C'est vraiment, ils ont fait le boulot, quoi. L'arbitre rentre toujours en premier. Alors, déjà, en plus, les flous... Ah, je peux montrer l'arbitre, bon. Ok, donc, je peux... Ah, je peux frapper, c'est bien, je peux frapper. Donc, c'est... Là, Mike Tyson, j'ai déjà dit, donc c'est moi, Mike Tyson, hein. Donc, c'est Kane, John, CM Punk, WrestleMania. J'aurais peut-être dû me prendre mon arrêt. Ça aurait peut-être fait mieux. Donc, les flous, comme j'ai vu, en vrai, ils ont disparu, parce que, dans le mode des éditions, les entrées s'enchaînent, comme dans le 2011, heureusement, qui s'enchaîne. Hé hey, calme-toi, toi, hein. Calme-toi. Toi, la gueule. Hé, je suis l'arbitre. Ah non, il n'y a pas de disqualification, il ne peut plus frapper. Alors oui, la lampe se tord, hein. Alors, donc ils ont fait comme un truc pour empêcher le con, tout ça. Et Kane, calme-toi, hein, Kane, calme-toi. Ok, sinon tu sors. Non, allez, vas-y, faites les prises. Et je suis l'arbitre, ok. Donc, LB pour sortir du ring. Je crois que je pourrais pas vous montrer les moments. Oh my god, malheureusement. Mike Tyson qui prend une chaise. Regardez, il y a une chaise. Il y a une chaise au sol. Il y a une chaise. Ah ouais, le balancement. Très beau balancement. Waouh, quel match. Ah, attends, trop tôt, je crois. Il n'y a pas de disqualification, donc l'arbitre peut être au sol, il peut crever, c'est pas... Tiens! L'arbitre spécial, j'aime bien ce match. Oh, le coup de poing. Oh, le coup de pied de CM Punk. CM Punk is one of the most exciting performers we've had in the WWE. This kid is a future Hall of Famer. Huh? Quoi? Oh, c'était pas prévu ça! Oh, c'était pas prévu! Oh. D'accord, donc si tu fais en mode normal, match normal, si tu fais mal ton boulot, ben les gens dans la liste viennent et disent comme quoi tu fais mal ton boulot d'arbitre, casse-toi parce qu'en fait. Comme je suis là, en fait moi je croyais l'arbitre spécial, tu pouvais faire ce que tu voulais, mais non, en fait non. Donc ça sert à rien de regarder le match, hein. Désolé les amis, vous auriez peut-être envie de voir CM Punk morfler comme une merde. Mais maintenant c'est à moi de jouer, d'accord. Donc on va quand même faire le 1 contre 1. Mais en normal, hein, bien sûr, toujours en normal, je suis toujours normal, moi. Et on va prendre des nouvelles superstars, hein, des petits jeunes qui viennent d'arriver dans le jeu. Donc, les petits jeunes qui viennent d'arriver dans le jeu. Donc, Brock Lesnar a une nouvelle tenue. Les nouveaux jeunes qui sont arrivés dans le jeu sont... Ah. Youh. Voilà, il est là. Donc, Epico. Donc, Greg Hardy qui est revenu, donc qui était déjà dans le jeu. Jinder Mahal qui est arrivé dans le jeu. Contre une superstar qui est aussi arrivée dans le jeu. Non, elle était déjà. Epico. Primo Epico. Je vais essayer de faire une finale. Unico, parce qu'il vient juste d'arriver dessus. Sur mon arène, allez. Sur mon arène, l'arène de la mort. L'arène de la mort. Je suis pas sûr de gagner le match. Hein. Le ring a mon territoire, voilà. C'est en fait faire un match sur ton arène que t'as créé. Donc déjà trois succès. Trois succès, c'est bien. Donc après le match, je vais arrêter la vidéo. Et on se retrouvera pour soit les high cut match, les matchs nouveaux qui sont sur le jeu, et je vais vous laisser entrer. Donc, oh, putain, elle est quand même belle, mon arène, elle est bien.
Donc, on a rien à la classe quand même, hein, vraiment. Tout ne sort pas ça, mais vraiment la classe. Putain, la classe, hein. Commence en entrée. Donc, vous voyez entrer. Le mode univers, je suis désolé, je vais pas pouvoir commencer directement maintenant. Je commencerai quand j'aurai fini tout le mode attitude era, parce qu'on débloque tout dans le mode attitude era. Donc, je suis obligé, bien malheureusement, de faire ce truc. Je suis complètement obligé de faire le mode attitude era en entier, désolé. Donc, je le ferai en wasu. Donc, je ferai sûrement 3-4 matchs par épisode. Ça devrait finir assez vite. Hein. Le petit let's play, voilà, à la fin. Donc c'est deux petits nouveaux qui sont arrivés dans le jeu, hein, qui sont bien faits, hein. Donc quel nouveau système de compte, parce que juste de lancer dans les cordes, le oh my god moment que je vais essayer de vous montrer, hein. Je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de faire un oh my god moment sur la table et faire passer Uniko à travers une barricade. Je vais tenter de le faire. Je contrôle Yoran et bon, et la caméra n'a eu aucun fou, donc ah, trop tard. Trop tard. Ah, vous voyez, il y a toujours les trucs. Ça a mis beaucoup. Les nouvelles prises. Donc il y a tout le temps de trucs. Trop tard, trop tôt. Trop tard, trop tard. Ah. Trop tard, putain. Ah, j'ai normal qui se fait violer là. Elle est bien mon arène, hein. Ah, trop tard. Ah, je me prends que des coups. Normal, qui se sent pas bien ce soir. Allez, full compte, normal. Ah, il a pas contré. Ça, j'aime pas le truc trop tard parce que tu pourrais avoir contré, mais non. Ah putain, mais je suis nul là. Ah, voilà, je suis nul. Ah, je suis nul. Oh, que je suis nul. Oh, j'ai contré. Oh, neckbreaker. Très beau neckbreaker de Jinder Mahal. Jinder Mahal qui est grand, hein. Tiens. Voilà, je sorte du coup. Donc la manette vibre. J'ai pas un god, hein. Bon, pour ceux qui ont des pensées pervers. Ah, c'est bon, je prends. Prends dessus. Ah, oh, truc de slam. De Jinder Mahal. Coupe-moi. Ah, oh, de rester c'est les prises. Oh, de rester c'est les coups de. Oh, le box suplex. Oh, il repart pour le neckbreaker. Très bon neckbreaker. Je sais pas si je ferai le mode attitude era en difficile. Oh, trop tard. Oh, j'ai dépassé. Ah, mais putain, j'ai appuyé sur le compte comme un con. Un match qui a l'air plutôt bueno. Ah, c'est bon, ça va. Arrête de taper. La double prise. Ah, ça marche. Ah. Back souplesse de Jinder Mahal, encore une fois. Ouais, il est passé par-dessus les épaules. Il est passé par-dessus mes épaules. Il est passé par-dessus. Je suis passé par-dessus ses épaules. Jinder Mahal. Peut-être une prise. Ah, une suplex. Et une suplex. Ça, je reprends les touches, hein, parce que de passer à debout de 2012 à 2013, ça change pas. Non. Ah, il m'a contré, hein, le bâtard. Ah, il m'a. Oh, parfait. Le German suplex de Nico. Il a déjà un coup spécial. J'ai morflé. Hop, ah, il m'a contré. Ah, il m'a eu. Ah, il m'a fait un bad breaker. Très bon bad breaker. Ah, trop tard, il va me partir pour. Oh, le coup spécial. Ah non, bien normal. Qui est un. Il a pas peur, c'est déjà un bon point. C'est que l'intelligence a été améliorée. Il a pas peur de sauter. Très belle intelligence.
Allez, la prise. J'ai dit la prise. Oh, le coup de doute. Le magnifique. Le mec que je balance par exemple dans les corps. Dans le coup. Oh, le spear. Coup spécial. Attention. Coup spécial. Oh, Jinder Mahal qui part au coup spécial. Coup spécial. Il va le relever. Jinder Mahal. Oh, le fou Nelson Sam. Les replays. Est-ce que c'est déjà fini? One, two, et fini. Jinder Mahal a gagné le match. Désolé, je voulais le faire passer par une table ou la barricade, mais j'ai pas réussi. Je suis désolé. Attention, j'ai un succès. Remporter au moins un match en match difficile. Ah, ok. Ah, j'ai gagné. Ouf. On dirait les replays qui s'enchaînent très bien. Hein. Sans le 2013 qui est pas. 1, 2 et 3. Victoire assez simple de Jinder Mahal. J'ai pas fini les gens. J'ai pas fini hein. Peut-être vous disiez que. Oh, il a dit qu'il avait fini, donc c'est fini. Eh ben non. J'ai autre truc à vous montrer là. Là j'ai vraiment un autre truc. J'ai pas remarqué, j'ai un autre truc à vous montrer. C'est le fameux destruction de ring. Là vraiment, ce match va être assez long parce que. Parce que ça va être un truc où je vais vraiment détruire. Je vais tenter de détruire le ring hein, quand même. Ouais, c'est le big show. On va passer parce que j'ai pas envie que ça tarde trop. Marquez avec ses nouvelles entrées, attention, oui. Mais vous la verrez pas. Mec, je suis un bâtard, non, allez sur YouTube, vous regardez en train de marquer rien. Oh, le coup de pied nul directement. Ah, alors qu'il y a des petits bugs et reprises, ça ne veut pas trop. Oh. Big Show contre Mark Henry, un match. Oh, j'ai contré. Oh, le coup de poing. Non. Mais en fait, vous mettez. Bouh, je crache. Je suis en difficile. Contré, ah je contre assez bien je dirais. Ça y est, là j'ai pris le rythme. Oh, Big Show qui a carrément soulevé Mark Henry. Je bourrine le bouton. Ce qui a l'air quand même un peu plus normal hein, que tu gagnes les combats. Mais bon, c'est d'accord. Oh, le port au ciel. Et il ressoulève Mark Henry, hein, Big Show qui est quand même très géant, hein, qui est robuste hein, dans ce jeu là. Ils ont bien fait Big Show. Mark Henry, on croirait un nain à côté de Big Show. Encore la double prise. Remporté par personne. Le Big Show. Scoop Slam à Mark Henry, on dirait. Il a balancé Mark Henry. Allez, Big Show qui va balancer Mark Henry dans le coin. Oh,
Oh, le point. Attention. Oui. Ah, peut-être pour un point bon. Pour un bon. Pour un point bon. Le côté. Je vois difficile, hein, les gens. Encore double prise. Encore un double prise. Encore un double prise. Et c'est Big Show qui gagne. Il va partir pour Open de course. Pourquoi? Et les coups de poing qui volent sur la tête de Mark Henry. Oh, je suis tout peur! Attention, je vais vous péter le ring, là. Ça va ici. Non. Pas que un, heureusement, non. Putain, j'arrive pas là. Oh, Mark Henry qui a bien compris. Je sais pas s'il faut le mettre sur la troisième corde peut-être. Peut-être qu'il faut trois finishers. Oh my god, on dirait qu'il marche pas. On va quand même tenter de... Ah, trop tard malheureusement. Ah, ah, il va balancer dans le coin. Au côté. Ah, trop tard. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh putain, le coup de la corde à linge de Mark Henry. J'aime pas quand il marque trop tard. Je veux pas d'astuce là parce que ça me perturbe. Ça peut être bien pour ceux qui ont jamais contré, mais moi ça me perturbe. Je reste au sol. Et il dit pas contré ou pas. Hein. Oh, contré, j'ai contré. Oh, j'ai contré. Ah, je me fais. C'est qu'on peut détruire le ring. Ah, il m'a contre Mark Henry. Oh, très beau contre Mark Henry. Un nouveau contre. Hein, Le coup de genou. Mark Henry est le kind of monster that keeps chiropractors in business. Squeezing down on the head. Ow. Oh oh, oh oh. Non, non. Non. Hop. Big Show qui... Contre... Oh. STO. Oh, Big Boot. Oh, Big Boot. Pew. Hey. Non. Non. Je sais pas, c'est comment il faut faire pour détruire le ring. Tu sais qu'on peut détruire le ring à partir de ce côté, là, c'est bougé. Quelle merde ce Big Show. Oh. Oh, quelle merde ce Big Show. Je suis en difficile pourtant. Ils ont mis les contre comment là. Il faut que je me remets parce que là il m'a fait presque pas de prise. Oh, the punch connects. Huge shot to the midsection.
Oh là là. Well, the big show boots me. Now a hard kick to the ribs. Henry's in trouble. Oh. J'ai un coup spécial. Peut-être pour le show trooper. Hey, it's going for it. Peut-être, oh my god, peut-être. Oh my god! Oh my god! Attention, Big Show qui est prêt. Vous pouvez le voir, il faut 3 finishers pour faire ça. Oh my god, oh my god. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh, Big Show qui se relève! Big Show qui se relève! Big Show qui gagne par KO! Big Show qui gagne! Big Show qui gagne! Holy shot! Et tu gagnes un succès, gars! Détruise de ring avec un moment oh my god! Et donc, c'est avec ce oh my god que je vous laisse! Et à plus, les gens! A plus pour le Let's Play. Bye bye.